Le gardien de prison, et bienvenue sur la meilleure prison la plus sécurisée de Roblox. Enfin, pas pour l'instant, hein, parce que là, clairement, on a que du sol, du béton, tout ça. Ah, du tout. Ils sont où les maçons là? Ah, oui, c'est moi. Je suis à la fois gardien de prison et directeur de la prison de Roblox. Bienvenue sur Alcatraz. Ah, mais bien sûr. Attendez, je sors mon mégaphone parce qu'il est tout là-bas, là. Vous le voyez peut-être pas, mais il y a un petit point. Oh, merci, comment ça va? Oh, mon Dieu. Et on se retrouve les amis du coup sur Prison Tycoon. Et on est parti pour créer la plus grande prison sécurisée de Roblox. Et j'ai zéro tune, c'est normal. Ah oui non, d'accord, faut peut-être commencer. Oui, par lancer les droppers. Ah oui d'accord, c'est les droppers à l'ancienne en mode Il faut vraiment travailler, allez. Il faut produire des blocs. J'ai jamais vraiment compris à quoi servaient ces blocs, mais apparemment ça se vend, hein, donc Ou alors c'est des gros sucres. C'est du tofu, c'est pour le repas des prisonniers. Ouais voilà, c'est ça, c'est des blocs j'ai déjà de la thune. Oh trop bien. Ok, alors ça on le prend déjà, le petit foie qui fait plaisir, bah je crois qu'on l'avait déjà. Voilà, et on va prendre les petits droppers qui vont commencer à bosser pour nous. Alors moi je ne prends pas d'amélioration pour l'instant à part le truc rapide, hein. C'est-à-dire tu vois le x2, voilà. Ok, donc du coup je clique, on va prendre un dropper numéro 2. Oh mec, il y a un méga dropper. Allez, let's go. Et il nous faut un méga dropper, il nous faut après tout la meilleure prison possible, hein. Ok. D'ailleurs en plus elle est stylée parce que regardez, elle est ultra sécurisée parce qu'elle est sur l'eau. C'est-à-dire que les prisonniers ne peuvent pas échapper. Bon, sauf si ça veut nager. Ils veulent nager avec les requins. Voilà, après sauf s'ils ont un bateau aussi ou un hélico. Là d'accord, oui, là effectivement ils peuvent s'évader. Mais bon, hein, ça va être assez coriace quand même. Ok, donc du coup on va prendre de la thune. En plus je suis dans la prison rouge. Ok, donc là, qu'est-ce que c'est? Upgrader. Oh, mec, prends tout, hein. Ouais, la sauce, hein. Là c'est bon, hein. Là On n'aurait pas un code pour améliorer la prison? Un code, mais oui exactement. Attendez, vous allez sur le petit oiseau Twitter à gauche et vous rentrez le code Tolar. Non, money, comme ça. Et ça donne attention. Quoi? Ça donne 300 000 de thunes. Je pensais pas qu'il était aussi bien mon code. Il est vachement bien. Alors moi je prends pas l'auto-cash, hein, j'en ai pas besoin. Ça me fera les guibales un peu, ça me fera marcher. Par contre je veux bien le méga upgrader. Je prends direct. Ok, attention. Voilà. Ah, mais ça tire, non, mais j'entends. C'est un truc de... J'entends que ça tire déjà, mec. À mon avis, regarde ça, il y a des prisonniers qui sont évadés de la prison à côté. Ok, bon, très bien. Alors là, je crois que c'est tout au niveau dropper. On peut prendre déjà les murs de notre prison, ouais, histoire quand même que les prisonniers ne s'échappent pas. Ok, voilà. Donc ça. Oh, mais non, niveau thune, on est déjà trop bien. Ok, alors attention. Ah, donc là, on va commencer avec le parloir. Il est là-bas, regardez. Attends, t'es où? Attends, ah oui, je te vois là-bas, là. Je vois, regardez le. Vous voyez le petit truc violet, là, Tibouche? Oui, c'est bien lui. Oui, c'est lui. Ok, donc voilà, on va prendre là-dessus. Très bien, très bien. Oh, il y a un garage, mec! Alors, 500 000 la voiture de police. On va peut-être attendre. Ah, voilà. Attends, c'est des vrais gardes. Je pensais que c'était des tenues. Salut, Roger, ça va? Ouais, le patron, vu, ça va? Ouais, alors la matraque, elle est prête, c'est bon au cas où? Ouais, totalement, patron. Ok, ça roule, tant mieux. Surveillez-moi ce parloir. Il y a personne. On sait jamais, on sait jamais. Eh, j'en ai vu des choses dans ma vie, Roger. Ah bon? Ouais. Okay, on n'est jamais trop prudent. On n'est jamais trop prudent, exactement. Ok, j'ai installé un système d'alarme. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre dehors. Oh là là, regardez ça. Oh là, à mon avis, il y a une sacrée évasion. Il y a carrément une sacrée évasion. Oh, c'est bon, j'ai l'uniforme de policier. Regardez ça, on va pouvoir l'équiper de la tête aux pieds. Attends, je peux l'équiper. Oh, c'est bon. Ah là, je me reconnais. Oh, voilà, comme ça. Ok, donc là, je vais prendre un petit pistolet. Impeccable. Oh, il y a un prisonnier final en dessous là. Ah là, t'es vina, toi, hein. Ah, t'es vina. Ouais, j'ai eu la chance que Roger m'a attrapé. Eh oui, il était prévenant, hein, il était prévenant. Alors, s'il y a des trucs derrière le parloir. Ah oui, vers l'escalier, en dessous. Oh. Qu'est-ce que c'est? Extincteur, ouais, bon, ça, on sait jamais. Un poster. N'oubliez pas, attends, ici, on pourrait carrément faire un truc promotionnel, là, regarde, en mode... Bienvenue à Robloxian Police. La police recrute. C'est la police d'aujourd'hui et la police de demain. Parce que bon, de toute façon, on sera là demain, hein, donc c'est aussi la police de demain. Attendez, je vais tester si mon arme allait charger. Je vais voir un peu. Ouf, Je l'entends d'ici. Tu vas voir. Oh oui, ça tire, hein. Oh ouais, attends. Ah, ah, j'ai... Ah, c'est là-bas, là. Ah, oh, oh. Il me tire dessus. Il me tire... Danse, McFly, danse. Alors, ceci était un avertissement, hein. Le mec, il a vidé son chargeur. Attendez, les amis, je crois que sur mes caméras de surveillance, je vois. Oui, il y a une intrusion chez moi, vite déclencher l'alarme. C'est bon. Regardez, attendez. Il y a un hélico. Il y a un hélico. Mais je vais pas. Oh, oh, je vais me faire geler. J'ai eu une intrusion. J'ai rien pu faire. Il y avait Mr. Freeze dans ma base. Vite, il faut que je m'équipe. Oh, j'ai un lance-flamme. Toi, tu me refroidis. Moi. Je vais te réchauffer, attention.
Ok, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est? Il est tout en haut, je crois, tout en haut, non? Ah oui, il est planqué. Attends, regarde, il est caché là. Oh, le petit malin! Viens là, c'est le lance-lame! Et voilà! Oh, j'ai vu les flammes de tellement loin! Et c'était le barbecue! Ok, bon, je pense, les amis, qu'il est grand temps d'améliorer nos défenses. On va pas se laisser faire comme ça! Bon, du coup, les amis, on va aller construire un système de sécurité. Attends, je vais désactiver l'alarme. Voilà, c'est bon, y'a rien, tout va bien! Et en vrai, elle commence à être méga stylée, notre prison là, les amis! Oh là là! Elle est tellement classe! Mais on a regardé les tours de garde! Voilà, c'est pour patrouiller, tu vois. Voilà, comme ça. En mode sniper. Tout le monde dans la cour. Exactement. Oh! Il y a un prisonnier. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Il y avait un prisonnier dans la cellule là-bas. J'essaie de voir. Est-ce que je peux voir les personnes là? Attends, j'essaie de voir. Oh, je crois que je te vois. Attends, bouge pas. Moi, je suis dans ma base. Hein. Attends, bouge pas. Tu bouges pas là. Hein. Je bouge pas. Attends. Oh. Alors, si t'as touché quelqu'un, c'est pas moi. Attends, sors, mets-toi devant ton sapin. Attendez. Ok, vas-y, j'y vais. Attends. Tu te mets devant ton sapin, hein. Ouais, là c'est bon, je suis devant mon sapin. T'es en hors des grilles? Ouais. Ok, bouge pas. Oh! Attention! Oh! Bien joué. Oh, je t'ai eu! Oh, je t'ai eu! T'as vu ça? Ça, le truc. Ça, c'est le sniper qu'il y a dans la cabane! Ouais, j'ai vu, il zoome tellement bien! Oh là là! Il tue en deux fois. Oh là, mais ouais, d'accord, ok. Bah, merci pour l'essai, c'était très bien. Merci d'avoir joué la cible Overspace, c'était très bien joué. Tu joues très bien la cible. Voilà. Mon collègue, tu me reçois? Je viens de recevoir 18 millions là pour la prison. Là. Ça pourrait faire du bien à la prison. Parce que là, les barreaux sont à moitié rouillés là. Donc, du coup, on est parti, les amis. Regardez, on a 18 millions de thunes. Oh là là. Enfin, je prends un vrai Takiwiki dans le dos et un truc papin sur ma chemise, tu vois. Donc, alors. Des escaliers montés à l'envers. Ça, exact, oui, ou des escaliers montés à l'envers. Oh! Je veux rien entendre là-dedans. C'est bon, je suis aux chiottes. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok, bah, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter là? Le Texedo. Oh, on est devenu directeur de la prison. What? On est devenu le directeur. Bonjour à tous. Oui, j'ai des paraboles sur moi tout le temps. Mais on sait jamais. Attendez. Ici, on n'est pas dans une. On n'est pas au McDo là. On est dans une prison. Mais tiens, lance-roquette et le mini John. Le lance. Ils l'ont appelé la fusée d'ailleurs. Intéressant. Ouais. Très intéressant. C'est un canard de fou là. Ouais, ça se passe quoi là-bas là? Alors attendez, qu'est-ce qu'on a ici là? Oh, c'est les casiers, c'est pour les changements, tout ça, pour changer. Ah bah c'est la laverie, il y a même les douches et tout. Ah, trop stylé, petit casier là, ok. Monsieur, il y a rien de prévu? Non, monsieur le directeur, rien de... Ok, bon, très bien. Attendez, je vais pas oublier d'acheter l'escalier là-bas. Bon, je pense qu'avec 16 millions en poche, oui, ça peut être bien, directeur de prison, hein, mais on met tout ça dans les plats de la cantine, là. Quoi, ça se voit pas? Ok, bon, très bien. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce. Oh, pays soldat, vous inquiétez pas. Ok, bon, qu'est-ce que vous avez là? Oh, ça va être le... Oh, le confinement. Mec, ça va être l'isolement. T'as vu ça? Oh, les portes. Ça va être les pires prisonniers enfermés ici. Les portes sont blindées. Oh, il y a le logo SCP et un logo de lune. Quoi? Pourquoi faire? Fais quoi? Ouais, ils essayent de frapper. Attendez, méfiez-vous. Je ferais pas ça si j'étais vous. Attendez, je suis directeur. Allez, sortez de là, pour voir un peu. Oh, il est énervé lui! Oh, il a voulu me taper, hein! Aïe! Mais il me tape même dans la mort! Non mais. Ouais. Il se passe quoi? J'entends des mecs gueuler. Oh! Mec, c'est trop creepy, y'a des gens qui gueulent ça gueule dans les trucs. T'entends pas? Non, j'entends rien. C'est horrible. Fais voir un peu. Oh, il me tape. Est-ce qu'il va me taper? Oh oui, mes fesses. Il m'a fessé pas mal. J'ai pas mes manettes. Mais quoi? Bon, attendez, je vais directement tirer une fois à l'étage, hein. Ils sont vraiment fous, hein, attendez. Non. Non. Ils sont insensibles aux flammes. What? Oh, il a mis mon gilet pare-balles en plus, non. Mais non! Si! Il a mis mon gilet! Mais c'est un PNJ qui a ça! Mais oui! Le prisonnier a mis mon gilet! Mettez l'alerte rouge! Alerte rouge, vite! Alerte générale! L'alarme, vite, l'alarme! Sortez le pompe! Je vois son ombre, alerte générale! C'est bon, j'ai mis l'alerte! Attendez, il est au-dessus! Oh, je l'ai mis une bastos, c'est bon! Ok, nickel! C'est bon, il est dead! C'est bon! C'est bon, il a pris une cartouche. Bon, je vais délicatement fermer la porte. On va éviter d'attirer. Non. Attends, je vais sortir. Oh, écoute, dans le doute, je tire au lance-patate dedans. Dans le doute.
Ferme la porte, vite, 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 c'est bon. Vous auriez pu m'aider, soldat. Désolé, je m'avais rien avec ma visière. Ouais, 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 bon, on parlera de vos casques plus tard, hein, ok. Bon, très bien. Bon, maintenant, les amis, on a assez de thunes, on va pouvoir aller. Oh, attendez, 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 qu'est-ce que c'est que ce truc, ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une sonnette d'alarme pour l'étage. Ah, très voilà, bien. Voilà, comme ça, tout le monde l'entendra, au cas où. Regardez, plus, on va le voir monter ces escaliers. Oh là 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 là. Ok, cette fois-ci, personne ne voudra gilet pare-balles. Ok, attention. Ah non, je t'ai pas tiré dessus. Ah, ok, j'ai cru. Ok, pardon, excuse-moi, désolé, j'ai commencé à croire que tu me tirais dessus. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Oh, ça a l'air génial, ça. C'est une mitrailleuse. On peut pas zoomer avec, non? Oh là là. Ah, ça tire pas très loin, mais les canons, par contre. On va arrêter de tourner, là, parce que là, c'est bon, là, je suis pas bien. Ok, là, du coup, c'est quoi, ça? Oh! Oh, c'est une statue de moi en sniper! Ok. Centre correctionnel Ronald. Oh. Ok. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que cette arme? Oh, le Blue Sniper! C'est de ça que tu parles? Oh, move. Oh, non. Oh! J'ai vu une balle, je l'ai entendu, elle a sifflé. Non, non, non. Oh! Oh! Oh, je prends une tenue de pilote! La même! Ça veut dire qu'on va pouvoir piloter quelque chose. Ah. Ok, je me prépare, les collègues, je sais pas... C'est un droit de pilote? Non, c'est juste le tenu, mais... Et la vie fait le pilote, non? C'est pas comme ça qu'on dit? Bon, très bien. Regarde ça, regarde ça. Et là, j'atterris. Oh! Ah, ce pilote! Merci pour le taxi. Pas de problème, collègue. Eh bah ben voilà, il fallait. Bon, par contre, le décollage, ça va, mais l'atterrissage, c'est autre chose. Hein, on verra ça, voilà. Eh bah écoute, les amis, on va... Tu fais un selfie avec ton minigun ou quoi, là? On va t'arrêter là, du coup, mon Prison Tycoon. On espère, en tout cas, les amis, que ça vous a extrêmement plu. C'est énorme pour moi, parce que c'est un jeu Roblox que j'avais fait il y a plus de 2 ans. Ouh, 2 ans, mec, t'imagines? Ça va tellement ça date tellement. Je l'avais fait en solo, en plus, hein. Je l'avais fait en solo, et d'ailleurs il n'y avait pas autant de trucs que j'avais pu découvrir. D'ailleurs, je sais même pas si on peut se faire des ballons de basket, je ne crois pas. Voilà, en tout cas, les amis, j'espère en tout cas que cette nouvelle prison vous extrêmement plus. Et n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, ça vous ferait extrêmement plaisir. Avec ses cheveux qui passent de ce casque de pilote, ça ne veut rien dire. En tout cas, merci à tous les amis sur le Jumper, et on se dit du coup à très bientôt, allez. Ciao.